Stéphane Lecoq, bonjour. Merci de répondre aux questions de l'Argus de l'assurance. Vous êtes directeur des assurances et des partenariats à la Mutuelle Générale. La Mutuelle Générale s'est taillée une belle notoriété depuis environ 4 ans. Comment transformez-vous l'essai ? Alors on est assez fiers effectivement de cette notoriété qu'on a créée à partir de rien. Au départ on était à la MGPTT, on est maintenant à la Mutuelle Générale. On a créé une notoriété ex nihilo, on en est assez fiers avec une campagne qui était un peu audacieuse, qui a été créative. C'est un peu notre image de marque, c'est un peu notre différenciation, elle est là-dedans. On est à la fois une mutuelle historique qui porte tous les métiers des assurances de personnes, donc on a cette expertise qui est reconnue, mais on a aussi ce côté innovant, différenciant, créateur, qui peut nous aider à mieux servir nos publics. Alors vos publics, justement, il y a une cible qui est celle de l'attention de tous les acteurs du marché, qui sont les PME-TPE. Que faites-vous pour cette cible-là ? Alors c'est vrai que c'est une cible convoitée, hein. On n'est pas la seule à vouloir mieux servir ce public-là. Il se trouve que je pense que la Mutuelle Générale a des atouts que les autres n'ont pas. D'abord, un nom magique, la Mutuelle Générale. La notoriété, la légitimité du nom mutuel a un impact très fort dans ce public-là. Par ailleurs, on peut, nous, revendiquer une vraie proximité avec ces publics puisqu'on a 104 agences réparties uniformément sur le territoire. Par ailleurs, on a une expertise qu'on a développée sur les grands comptes avec le courtage qui montre qu'on tient bien le métier, qu'on le fait bien et qu'on peut maintenant le décliner sur un segment sur lequel on est naturellement légitime, je vais dire. Alors doit-on s'attendre à une nouvelle offre à destination de cette cible ? Alors on a déjà une belle offre, voilà. On va l'augmenter encore, l'améliorer, parce qu'on est dans un process d'amélioration permanente, c'est clair. Voilà. Par ailleurs, on va mieux parler à ce public-là, à qui jusque-là on parlait finalement assez peu. Hein. Tout ça vient du fait que cette mutuelle, elle est très nouvelle finalement. C'est à la fois une mutuelle historique et une mutuelle très nouvelle qui s'ouvre à des nouveaux marchés. Voilà. Elle découvre sa légitimité, elle va maintenant porter son message avec encore une fois toute l'expertise de son passé à la fois de mutuelle historique et de mutuelle porteuse de grands comptes en collective. On a parmi les plus grands comptes du marché en collective, ça il faut le savoir quand même. Stéphane Lecoq, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.